Quand vous téléchargez et installez Reaper 6 pour la première fois, vous allez remarquer que tout est en anglais. Donc, il y en a certains qui ont l'habitude d'avoir Reaper en anglais, donc bah, vous pouvez continuer comme ça. Pour ceux qui veulent avoir la version francisée de Reaper 6, eh bien, je vais vous montrer comment il faut faire. Vous allez taper sur Google Reaper en français, par exemple, ou directement sur le site de Cocos. Vous avez cette adresse ici, www.reaper.fm, langpatch, index, blablabla. Donc ici, vous allez cliquer sur Reaper Stash. Et là, on a tous les langages proposés. Donc il faut descendre pour trouver le langage français qui n'est pas... qui se cache un peu, on va dire. Voilà, celui-ci, là. Reaper, SWS, French, Reaper Langpatch, Langpack, pardon. Vous cliquez dessus, et là, vous faites Download. Et vous allez vous retrouver avec ce fichier-là. Eh bien, tout simplement, on va le glisser-déposer sur l'interface de Reaper. Donc là, il me demande si je veux installer le pack de langue. Je vais faire oui. OK. Et là, il me dit que c'est installé et que j'ai juste à redémarrer Reaper 6. Je vais le fermer et le redémarrer. Et maintenant, regardez bien. Eh bien, je suis bien en français. Hein. Là, c'était stop, c'est à l'arrêt. Et puis, tous les menus vont être francisés. Alors, avec plus ou moins, on va dire, de bonnes traductions. Mais globalement, c'est très bien fait. Et moi, personnellement, hein, j'aime bien quand tout est en français. Ça convient plutôt à mon type d'utilisation de Reaper 6. Si je reviens sur le site, j'ai également les keymaps. Donc les keymaps, ce sont des raccourcis clavier. Et en fait, ce qui va être sympa dans Reaper 6, c'est que vous pouvez utiliser les raccourcis clavier d'autres séquenceurs, par exemple. Donc là, même d'autres matériels, hein, machine, Akai. Là, il y a pas mal de keymaps ici. Et par exemple, pour les utilisateurs de Pro Tools, eh bien, vous allez pouvoir utiliser les raccourcis clavier dans Reaper 6, mais les raccourcis clavier de Pro Tools. Alors par exemple, moi j'aime bien Cubase, donc je vais venir ici. Pareil, je fais Download. Donc là, j'obtiens ce fichier-là, cubase.reaper.keymap. Et ce qu'on va faire, on va aller dans Actions, afficher la liste des actions. Et ici, vous voyez qu'on a un petit onglet Keymap. Vous allez faire Import Shortcuts Keymap. Donc là, vous allez être dirigé dans le dossier par défaut. Donc moi, je vais retrouver mon dossier. Et ici, j'aurai juste à choisir Cubase Reaper Keymap et faire Open. Alors, je ne vais pas le faire pour conserver les raccourcis clavier de Reaper, mais vous voyez, je vous ai montré la manipulation et c'est vraiment très, très simple à faire. Il existe également des tas de thèmes. Ça s'appelle des thèmes disponibles pour Reaper 6. Alors, des thèmes gratuits, d'autres pas. Et du coup, bah, ça vous permet de pouvoir, pareil, avec un glisser-déposer d'un thème, de changer le thème. Donc là, vous voyez que j'ai chargé un autre thème. Du coup, c'est clair ici. Si je charge un autre thème, hop, je reviens comme ceci. Et puis encore un autre. Voilà, comme ceci. Et puis, ce thème-là. Voilà, celui-ci. Donc vous voyez que on a beaucoup de possibilités. Celui-ci, il y en a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup. Hein. Hein, celui-là, il est pas mal. Hein. Donc, ce que je vais faire, bah, dans la suite du tutoriel, je vais vous les fournir, les thèmes. Il y en a vraiment un paquet. Hein.